L'histoire de Janice est folle, c'est l'histoire d'une fille, une mère, qui a lâché prise avec la réalité parce qu'elle est trop dure à assumer. C'est une jeune femme qui trimballe avec elle une histoire très douloureuse, des bagages vraiment très lourds, et un fils relativement âgé, puisqu'elle a eu, elle, très jeune. Et tout est vu du point de vue du fils, qui porte un regard très tendre sur sa mère, qui est en totale fusion avec elle, mais qui va être entraîné petit à petit dans sa folie, qui va déborder, qui va prendre de plus en plus de place, et qui va basculer jusqu'au drame. Voilà, c'est l'histoire d'une folie, en fait, qui ressurgit du passé et qui va noyer complètement ces deux personnages. Un roman que j'ai écrit deux fois. J'ai fait une première version qui était ratée. Ça arrive. J'étais un tout petit peu à côté de ce que je voulais raconter pour une raison toute bête, c'est que je m'étais trompé de point de vue. J'avais écrit ça à la troisième personne. Donc j'étais un narrateur extérieur. Et comme j'ai deux personnages qui sont relativement muets, qui intériorisent beaucoup les émotions, ça ne marchait pas. Et du coup, cette timidité, elle m'a accompagné tout au long de ce premier jet. Dans la première version, Janice ne mourait pas. Elle frôlait la mort, c'était vraiment une tragédie qui tournait autour d'elle, mais ça n'allait pas jusqu'au drame. Et puis finalement, quand je l'ai réécrit, parce que je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas, je me suis mis dans la tête de Titouan, l'adolescent de 15 ans, et là ça fonctionnait, puisque toutes les émotions intérieures qui serpentent en lui, qui bouillonnent, pouvaient vraiment accompagner cette histoire. Et du coup, j'étais obligé de pousser les choses un peu plus loin, et inévitablement, j'allais jusqu'au drame. Ce sont deux personnages qui sont victimes du courant qui les entraîne, et qui n'ont rien à quoi se raccrocher, tout simplement. Et tout est une question d'accident dans cette histoire. C'est-à-dire qu'elle aurait pu bifurquer complètement ailleurs, mais il y a une accumulation d'obstacles qui les font trébucher à chaque fois. Et ce sont des personnages qui, enfin en tout cas le moteur de l'histoire, donc Janice, qui prennent à chaque fois qu'ils ont le choix la mauvaise décision. Et du coup, c'est pour ça qu'ils s'enfoncent, qu'ils partent dans cette descente aux enfers. C'est qu'à chaque fois qu'il y a la possibilité de bifurquer, de s'en sortir, ils prennent la mauvaise option.